Ce qu'on peut retenir, c'est que les pays les moins avancés s'organisent davantage, ont décidé de donner de la voix et de se focaliser que sur les priorités des pays les moins avancés. C'était très important. La coordination également s'est avérée très très capitale, notamment entre l'équipe finance et l'équipe pertes et préjudices. Une coordination des deux équipes était nécessaire pour permettre de maximiser, de mutualiser toute l'expertise nécessaire afin que les pays les moins avancés puissent défendre leurs intérêts. Donc ça a été véritablement un des résultats forts qu'on peut retenir de ces réunions-là.